Alors, manager avec son âme, c'est plusieurs choses. C'est d'abord chercher à être soi-même en unité dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas l'être professionnel d'un côté et l'ami de l'autre ou l'être familial de l'autre. C'est en fait, on est un. Et quand on accepte d'être en unité, en fait, on est libre. On n'a pas peur du regard des autres et on peut agir avec beaucoup de force. Ce qui n'exclut pas aussi l'acceptation de ses fragilités. Parce que quand on accepte ses fragilités, là aussi, on peut rentrer dans un dialogue plus vrai avec l'autre. Si l'on veut manager véritablement avec son âme, c'est à mon sens essayer d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre et de comprendre que l'on ne peut absolument rien sans vivre en société et en commun. C'est dans le respect permanent de ses valeurs, ne pas transiger, faire émerger ses valeurs au-dessus de tout le reste. Et l'histoire montre qu'on a toujours raison dans ces cas-là. C'est incarner ses valeurs. Voilà, incarner ses valeurs et être exemplaire. Manager avec son âme, c'est à la fois être extraordinairement présent dans l'instant, être présent avec ses collaborateurs, être présent sur les décisions, donc ne pas déléguer à des processus, à des systèmes experts, etc. On est en charge et on le fait ensemble, et en même temps être gardien du cap. C'est vraiment pour moi voir les collaborateurs avec qui on travaille, garder le cap et leur faire confiance pour qu'on aille tous ensemble vers le cap. Manager avec son âme, c'est manager avec son cœur. C'est manager en fonction de l'être humain qu'on a en face de soi, ne pas oublier qu'on a des émotions, que la personne en face de soi a aussi des émotions, et qu'on a un homme, une femme devant nous. Donc, sachons être le plus généreux possible, et on aura le retour de cette générosité. Je pense que l'entreprise est au service de l'être humain, parce que l'être humain est au service de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut que les grands dirigeants soient capables de comprendre ce que chaque personne cherche. Alors évidemment, on prend fait ça avec ses collaborateurs, on ne peut pas faire avec tout le monde, et ça se fait de propre en poche. Et quand vous avez bien compris ce après quoi court le collaborateur, la qualité du travail est infiniment supérieure. C'est ça. Et c'est en ça que le livre est intéressant. Se nourrir en soi, avoir suffisamment de force et d'énergie en soi pour pouvoir le donner aux autres.